Paix, amour, bénédiction, protection divine, mes amis. Voilà, beau soleil, beau ciel. Donc, je suis venu donc près de l'église, ici. C'est un endroit donc paisible. Et on peut ici profiter de ce jardin qui n'est pas municipal, donc qui appartient à la communauté religieuse donc qui vit là. Et je vous fais profiter donc de ce moment calme, paisible. Voilà l'eau nettoyée, il y avait des poissons, je ne les vois pas. Peut-être enlever les lunettes. Il y en a. Alors, quand il faisait chaud là en 1998, là, pendant la Coupe du Monde, donc j'avais filmé. Il y avait beaucoup de poissons qui étaient morts par la chaleur et là apparemment. Apparemment, ils ont l'air bien. Voilà. Voilà, le soleil, les arbres. Un chat. Ah, il est beau lui. Voilà. Magnifique le chat. Voilà, en fait, on devrait, tout être humain, devrait pouvoir avoir la possibilité de vivre dans un environnement tel que celui-ci. Et quand on se pose des fois la réflexion de savoir donc comment c'était. Moi je me rappelle quand j'étais enfant, bon déjà on habitait à la ville, hein. J'avais habité à la campagne et puis bon c'est vrai qu'on avait la possibilité d'aller donc près de la nature ou alors des parcs comme ça. Donc et là, c'est encore mieux, là, parce qu'on se sent, on respire mieux. Même si moi, bon, j'ai parfois des petits... mais ça, c'est émotionnel, ça n'a rien à voir avec des risques quelconques. Voilà, je suis dans la relaxation. Faites des bâillements, n'hésitez pas. Respirez. Même si tout ne sera plus jamais comme avant. Mais justement, tant mieux. Mais on va garder ce qui est bien et on va virer, dégager ce qui est mauvais. Belle. Les fleurs, elles sont jolies. Elles sont jolies les fleurs. Tu vois? Regarde. Ces couleurs, bon, celles-là, elles sont un peu fanées, mais c'est peut-être parce que c'est le. Là, c'est bien d'en profiter de regarder ça. Là. C'est le bel endroit à venir, quoi. Tu vois, moi, c'est à côté de chez moi, là, ici. Je viens à pied. Oh, c'est pas grave, hein, laisse-le, c'est pas... Moi, les jeunes, ça me dérange pas. Si on peut discuter, si on peut échanger, si... Enfin, chez les gens, ils veulent être tranquilles aussi, respectés. Chacun. Vas-y. Voilà. Donc, c'est le moment donc, de se relier à Dieu, quelles que soient vos croyances, votre foi. Voilà, l'Immaculée Conception. La maman de Jésus.
Ah, ça c'est agréable d'entendre les oiseaux. Ça fait du bien. Là, on peut monter par là-haut. On peut monter par là-haut. Ouais. Moment, ça fait du bien quand même, parce que ils nous ont fermé la digue, donc on allait à pied, là on prend la voiture de venir. Là, il m'a un peu froid, là j'irais bien faire du vélo, mais un petit peu froid encore, et puis bon, c'est assez compliqué, je dirais, la situation. Voilà. Voilà l'endroit. Un grand arbre, là. Je demanderai à mon ami Hassan. Je ne lui ai pas demandé parce qu'on était déjà venu ici. Et à peu près environ l'âge de cet arbre. De cela. Certainement plus vieux que nous. Voilà ce qu'il nous faut préserver, ce qu'il nous faut à tout prix. Enfin, à tout prix, non. Ce qu'il nous faut. Il faut laisser ça. Enfin, pas pour nous. Ce qu'il faut préserver, bien évidemment. Voilà, celui-là, il est malade. Donc, ces plantes, elles sont malades. C'est vous, là. C'est du houx. Non, ouais, c'est du houx, on dirait, non, peut-être. Ça ressemble à du houx, mais je crois pas. De quoi? Du houx, ça ressemble. Mais bon, je suis pas un expert, moi, en botanique. Hein. Donc, j'aime tout ça, mais j'ai pas vraiment étudié. J'apprends tous les jours. Voilà. Il y en a qui me répondront, de toute façon, quelles sont ces plantes. Ils vont me dire, ça c'est ça, à telle minute de la vidéo. Voilà. Bon, allez, je vais l'arrêter là, la vidéo. Bon, salut les amis. Paix, amour, bénédiction, protection divine. Je regarde le ciel. N'ayez pas peur. Si vous êtes près du Créateur, il ne peut rien vous arriver de mal.